Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, c'est sur Brofalls. Donc c'est une alternative à Fall Guys bien sûr, une alternative gratuite, free to play, mais qui est aussi bien faite. Et quand on n'est pas un expert du jeu et qu'on veut s'amuser de temps en temps, bah écoutez, pourquoi pas aller sur Brofalls. L'alternative, c'est que du coup, on joue pas avec des tic-tac, mais on joue avec des brocolis et autres légumes et fruits. Donc bon, voilà, ça ajoute un peu de piquant à la piñata, comme on dit. Donc là, je vous parle sur le gameplay de Brofalls que je viens de réaliser. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, donc j'en suis désolé. Je suis de retour de vacances avec l'été, etc. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué pendant 2 mois, quasiment pas en fait. Mais là, ça y est, je suis de retour. J'ai les mises à jour à faire de Cold War, de Warzone et de plein d'autres choses. Mais vous inquiétez pas, on est de retour et les vidéos arrivent. Alors, on peut aussi parler de l'actualité, de tout ce qui s'est passé pendant que j'étais en vacances. Donc, notamment l'annonce du prochain Battlefield, Battlefield 2042. Il a l'air vraiment pas mal. Je suis pas un expert de Battlefield, mais j'y suis souvent passé quand même sur les opus. Notamment Bad Company 2 que j'avais pas mal joué, et Battlefield 3. J'ai pas joué aux autres Battlefield plus que ça. J'avais Battlefield 1 auquel j'avais pas accroché sur console, mais je pense que sur PC d'abord, pas mal. Il y a Battlefield 5 qui est gratuit avec le Amazon Prime pendant tout le mois d'août, donc n'hésitez pas à aller le prendre. Moi voilà, je l'ai pris, je vais pas tarder à le tester. On a aussi eu l'annonce du prochain Call of Duty, donc Call of Duty Vanguard. Donc qui devrait prendre place pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc franchement, à voir de ce que ça va être. Apparemment, ça serait sur le moteur de Modern Warfare. Donc ça, c'est ce qui était annoncé depuis le début. À voir, parce que moi, c'est vrai que les jeux Seconde Guerre mondiale, il y en a qui aiment et beaucoup qui aiment pas. Beaucoup qui en sont lassés. Sympa de temps en temps, mais jouer un an dans cette ambiance-là, c'est un peu lassant. C'est vrai que World War 2, bon, il y avait plusieurs autres problèmes. Hein. Des problèmes de balles qui touchaient pas, etc. Mais c'est vrai que World War 2, c'est pas un Call of Duty qui avait forcément beaucoup plu à la communauté. Et World at War, c'est pareil, il est arrivé entre Call of Duty 4, Modern Warfare et Modern Warfare 2. Et World at War a été joué, mais beaucoup moins que les deux, celui qui est sorti l'année d'avant et celui qui est sorti l'année d'après. Donc à voir. J'ai vu qu'ils ont instauré une nouvelle mécanique aussi, c'est de quand on est à couvert. On peut mettre l'arme au-dessus d'un tonneau par exemple et tirer à l'aveugle. Donc à voir ce que ça donne. À voir si ça sera fort, si ça sera cheaté, si ça sera juste une mécanique. Apparemment ils ont remis le fait qu'on puisse s'appuyer sur les rebords. Donc ça c'est vraiment non. Pas du tout une mécanique que j'aimais dans Modern Warfare. Donc ça autorisait trop la camp. À la limite en Warzone pour avoir de la précision, ça pourquoi pas. Mais franchement dans le multijoueur, les gens qui étaient en glitch en fond de map, c'est pas une bonne idée qu'ils fassent ça. Mais bon, on verra. Au pire, on a quand même beaucoup de contenu sur Black Ops Cold War qui permet de pas mal s'amuser. Donc à voir la bêta qui devrait arriver en septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, sinon, sur la chaîne, plusieurs vidéos qui arrivent. Hein, plein d'idées qui arrivent, du gameplay qui avait été fait récemment, juste avant que je parte en vacances. Mais notamment pas mal de Cold War, donc avec le Dark Matter. Des blocages, donc voilà, j'ai fait des petites vidéos sympathiques. Des montages sniper qui devraient arriver, du Warzone. Ah, des retours bien. Sur des anciens codes. Sur PC, j'ai notamment racheté Black Ops premier du nom. Donc voilà, c'est des retours que je voudrais vous proposer. Okay. Sur d'autres Battlefield, donc notamment Battlefield 3. Que je vous ai jamais proposé en vidéo, donc pourquoi pas. Et puis Battlefield 5 que j'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Vous présenter quelques gameplays aussi. Mais aussi voilà. Des jeux non FPS, donc voilà, je garde la surprise. Vous allez voir ça dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher des likes quand vous en avez envie. Et voilà, donc sur tout ça, je vous laisse sur le gameplay de Brofalls. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira en tout cas et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! Petit brocoli. On est quoi? On est 18 là, 18 restants. Brofalls. J'aime bien la petite musique.
J'ai cru que j'allais fail le premier. Ah, je suis pas mort. Ah non. Attends, je vais laisser, on sait jamais. Non. Ouais. Oh là là, je vais tomber. Non, mais c'est quoi cette collision? Vous rigolez ou quoi là? Ah, le seum monumental que j'ai là. Oh non, j'avais le temps là de passer. Peut-être sur 10 en plus là. Oh, j'ai glissé, j'en reviens pas. 9 sur 10. Éliminé. Dommage. Je suis pas allé loin. Allez, je regarde leur finale. Ah, ils peuvent se taper. Ah, c'est marrant. Éliminer 3 sur 10, ça va aller vite. Hein. Wow, il y en a deux qui sont auto-éliminés. Il y en a un qui a sauté dans le vide. Oh, il a failli tomber lui. Ah, il en reste plus que deux, non? Il en reste plus que. Ouais, il en restait 3, il en reste plus que 2. Bah, c'est bon, il a gagné en fait. Je cherchais le dernier, mais non, c'est bon, il a gagné. Sympa. La grosse banane.